Bonsoir. Waouh, aujourd'hui, je suis méga tard, mais j'avais besoin et envie de quand même voir comment vous allez après le stage que Sigrun a donné hier soir. Donc, pour toutes celles qui ont suivi ce stage, c'était sur faire un budget et comment mettre tous ces produits et ces services qu'on vend. Et de voir en fait à quoi on arrive comme revenu sur une année. C'est incroyable, c'est impressionnant, je trouvais ce stage. Vraiment, je sais qu'il y en a certaines qui ont été, comment on va dire ça, elles m'ont écrit goudron, il y a ma tête qui fume. Mais je veux dire honnêtement, moi aussi, ça fait la troisième fois que je fais ce stage, en tout cas cette partie-là de stage avec cette feuille Excel qu'elle nous donne en téléchargement pour prévoir. Mais c'est méga utile, méga utile. Moi, la première fois, j'ai fait ça, je crois, au mois d'août l'année dernière. Et donc, j'ai prévu toute mon année, la fin de l'année dernière, plus toute cette année-ci. Et je me suis imaginée comment allait être ou comment j'aurais bien voulu que se déroule mon année. Si maintenant je planifie avec cette feuille Excel où tu peux vraiment, je veux dire là, il n'y a pas moyen de rêver, il n'y a pas moyen de dire oui, je vais faire appel à l'univers pour qu'il m'aide. Bien sûr, tu fais ce travail-là peut-être aussi, ça dépend où tu en es avec le business et comment tu l'abordes, mais il est clair que tu fais ça aussi, tu travailles avec ton intuition, tu travailles avec… Le fait de faire une demande, de demander de l'aide, si tu veux, à l'univers ou à n'importe quoi que tu crois, ça, c'est déjà fait, c'est facile. Mais après, je veux dire, un business, c'est quelque chose qu'on apprend. Et quelle meilleure personne pour te l'apprendre que Sigrun, qui a été PDG, qui a un diplôme universitaire pour gestion d'entreprise. Donc, si elle ne sait pas ce qu'elle enseigne, moi, je ne sais pas ce qui va le savoir. Et donc, hier, le stage qu'on a fait, c'était un peu comme si on suivait un prof du NIF en train de nous apprendre à faire un budget. Très condensé, 2 heures. C'est normal, je pense qu'au début, tu as la tête qui fume, tu n'es pas habitué à ce niveau de input et de clarté. Il faut un peu de temps, mais je te le recommande vivement. Donc, si tu as raté ce stage, inscris-toi tout de suite. Je te mets le lien ici et inscris-toi parce que comme ça, tu peux encore. Premièrement, je vais te montrer, c'est plus facile. Je partage ici mon écran. Si j'y arrive, c'est toujours vraiment l'aventure de partager son écran là. Voilà, j'y suis arrivée. Donc, quand tu achètes, enfin non, rien, tu n'achètes rien là. Quand tu t'inscris sur la page d'inscription avec Sigrun à son workshop, tu reçois un email qui te donne accès à ceci. Et donc, ceci, tu as part 1, le replay. Donc, tout ce que tu as raté, tu peux le regarder complètement et tu reçois Download the Worksheet. C'est un stage qu'elle donne gratuitement. Moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi elle fait ça gratuitement parce que ça a tellement de valeur qu'elle pourrait franchement demander beaucoup d'argent pour ça. Mais tu downloads the worksheet et dans ce worksheet, elle te pose des questions auxquelles tu réponds et. Dans le stage lui-même, tu reçois donc, on va montrer ça un peu, hein, des slides qui te dit How are you going to measure marketing activities? Donc, super intéressant. Ici, part 2, donc on est dans le part 1. Ça, c'était hier. De nouveau, Create your own business. Bon, c'est en anglais, hein. Créer un budget. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui font l'autruche pour ça. Ils disent, moi, les chiffres, c'est un truc que je déteste. La comptabilité, quelle horreur. Mais si tu sais pas faire ta comptabilité, si tu sais pas une idée, enfin, t'as pas une idée de ton budget, tu vas aller nulle part. C'est la mauvaise nouvelle dans ton entreprise. Donc, autant l'apprendre. Et le stage qu'elle a donné hier, c'était vraiment. Comment je vais le dire? Époustouflant. Enfin, j'ai pas de mots pour ça. Regarde, tu reçois non seulement un worksheet avec tes questions, mais tu reçois une feuille Excel. Cette feuille Excel, elle vaut de l'or. Tous les calculs sont préparés.
tu mets tes chiffres là-dedans et tu es bon pour prévoir ton budget. Si tu es nulle part dans ton business, tu commences là. Alors, tu vas travailler avec ton imagination et ton imaginaire parce que je suis persuadée que l'intuition fait en sorte que tu as déjà une idée. Quelque chose à l'intérieur de toi a parfaitement une idée où tu veux aller. Et puis après, c'est terre à terre, ce que Sigrun nous enseigne ici avec une clarté que je… Voilà. « What can you achieve with your plan? Anything is possible. » Très important à retenir, je crois. Il faut du temps pour le comprendre. Ici, « What is your revenue module? » Elle explique ça. Je fais comme ça, un peu un clic comme ça dans le workshop. Ça, c'est cette fameuse feuille Excel. Où tu encodes ici, tu encodes tes produits et boum, là, automatiquement, tu as tous les informations. Et ici, dans le workshop, je vais arrêter le partage peut-être. Donc, demain, attends, avant que je l'arrête, demain, partie numéro 3, ça, c'est la partie que Sigrun appelle la roadmap où elle va rassembler les deux stages qu'elle a donnés dans un plan de route. Et quand tu vas avoir ce plan, tu vas savoir non seulement comment gagner de l'argent pour pouvoir soutenir, enfin, ou faire vivre ton entreprise et te faire vivre toi par la même occasion si tu es solopreneur, mais aussi quand est-ce que tu fais quoi. Donc, ce stage, il vaut de l'or. Les commentaires, je vais les partager dans un email que je vais écrire. Tu peux t'inscrire dans ma mailing list. Je vais te mettre aussi le lien pour pouvoir également rejoindre le groupe porteuse de projet. Ce sont des femmes qui sont, se lancent ou veulent aller plus loin dans leur business. Et on discute dans ce groupe en français, parce que Sigrun, tout ce qu'elle fait, c'est en anglais. On se base sur l'apprentissage qu'on a eu chez Sigrun. Et tout, moi, je suis chez Sigrun depuis un an, et donc j'ai partagé aussi des tutoriels, des choses que je connais et que je sais, qui se trouvent également ici sur cette page, donc facile à trouver, et je te les recommande. Si moi, au début, quand j'ai commencé il y a 3 ans, quelqu'un m'aurait donné toute cette information, j'aurais franchement été très heureuse et ça m'aurait épargné beaucoup de temps que j'ai perdu à essayer de trouver mon chemin toute seule. Donc, je le fais de bon cœur. Je partage tout ça ici avec vous parce que moi, j'ai travaillé avec les femmes et j'ai envie qu'elles puissent se lancer. Parce que ça, c'était mon chemin. Moi, j'avais une passion de vie qui est la danse et la connexion au féminin sacré, la connexion à cette vérité intérieure ou cette soif intérieure. Et j'ai souffert un peu du fait de travailler dans un bureau en train de faire la gestion financière et toute la journée dans un bureau. Et tous les jours, faire un trimballage jusqu'à Bruxelles dans les embouteillages, j'ai détesté ça pendant 30 ans. J'ai adoré mes collègues, ça oui, mais j'ai détesté mon travail. Et donc, j'ai dansé le plus que je pouvais dans mon temps libre, qui était réduit évidemment. Et quand j'ai décidé de tout laisser derrière moi et de me dire, d'accord, je vais essayer de vivre de ma passion, qui est le féminin sacré, cette connexion, à ce moment-là, ma vie a totalement changé. Et donc, moi, j'aide les femmes à se connecter à cette énergie, à trouver leur intuition et à vivre leur vérité quelque part. Et quand je fais ça avec les femmes, l'année dernière, j'ai fait ça, ces femmes sont quelque part, je trouve, réveillées avec une passion, à quelque chose à offrir au monde. Et m'ont demandé, Gudrun, comment t'as fait toi? Et donc, je les ai aidées avec ce que je savais ou avec ce que je sais, à se lancer. Et donc, ce mois-ci, au mois de janvier, je consacre vraiment tout mon temps à cette œuvre-là, si tu veux, d'aider les femmes à se lancer ou aller plus loin dans leur business. Parce que quand tu as une passion pour vivre et que cette passion reste un rêve et que tu ne sais rien en faire et que tu sais peut-être en faire quelque chose, mais gratuitement, mais personne ne vient à tes cours, par exemple, ou tu as un super outil, tu donnes des massages sonores comme j'ai quelqu'un, ou tu fais une super cuisine, ou tu fais des super photos, mais tu n'as personne comme client.
je peux te dire d'expérience que tu vas souffrir. Tu vas vraiment souffrir. Tu vas souffrir parce que tu as quelque chose de très précieux à offrir au monde et tu as l'impression que personne n'en veut. Et tu as l'impression que personne n'en veut, puis tu vas te dire « je suis nulle, je suis rien ». Et dans cette souffrance-là, tu vas te retirer et tu vas te dire « bon d'accord, c'est comme ça, je vais gagner ma vie avec une activité que je déteste. En faisant, je ne sais pas, caissière quelque part ou je ne sais pas, n'importe quoi. Oui, et tu vas, le cœur brisé, retourner ou chercher un job pour pouvoir te nourrir. Et ça, ça me révolte, ça. Au plus profond de moi-même, ça me révolte. Je crois que chaque personne qui a un don devrait pouvoir offrir ce don au monde parce qu'il n'est pas là pour rien, ce don. Et après, quand tu as découvert ce don qui est comme une mine d'or sur laquelle tu es assise, après, il faut apprendre comment devenir visible et comment enseigner ou donner et travailler avec cela. Donc ça c'est pas quelque chose qui s'invente comme ça. On ne peut pas dire « je vais méditer à longueur de journée » ou « je vais rêver ». C'est un plan qu'il te faut, c'est une vision qu'il te faut, quelque chose de vraiment terre à terre qu'il te faut. Et tu as besoin d'un professeur pour ça. Et le plus vite que tu apprends ça, le mieux ça vaut. Parce que si tu dis « je vais faire l'autruche parce que moi, les finances, ce n'est pas mon truc, l'organisation, ce n'est pas mon truc, le marketing, ce n'est pas moi », c'est là que tu vas commencer à souffrir. Parce que ce n'est pas toi tout ça. Tu voudrais offrir ta passion au monde. Tu n'as aucune idée comment faire. Tu ne connais pas le marketing. Et le marketing est un très mauvais mot. Tout le monde déteste. Tout le monde a l'impression que c'est de l'arnaque. Et ça n'a pas besoin d'être de l'arnaque. Parce que toi et moi, on est des gens qui ont une passion et on est honnête, on adore ce qu'on fait. C'est notre cœur entier qui est là-dedans et on aimerait aider les gens. Parce que ce qu'on a appris à faire, c'est juste trop beau. Oui. Et donc, enlève le mot équivalence marketing et arnaque et mets-toi au travail. Et ça, je ne connais personne de mieux et j'ai travaillé avec d'autres personnes que Sigrun. Sigrun a le cœur au bon endroit. Elle a une générosité et elle a une vision qui est juste magnifique, je trouve. Magnifique, je la partage. Et elle donne gratuitement ce stage maintenant. Demain, c'est fini. Tu l'as raté. Si demain, tu ne vas pas à ce stage, tu l'as raté. Et donc, ton année, tu vas pouvoir chercher ailleurs cette information que tu vas trouver. Mais je peux presque t'assurer que tu auras du mal à trouver cette ce niveau de compétence et de clarté ailleurs. Et c'est combiné avec cette générosité de cœur et cette manière directe d'être qu'elle a, que moi personnellement j'adore. Je la connais depuis un an, je travaille avec elle depuis, elle depuis un an, et elle m'a tout appris et pour moi c'est... m'a vraiment sorti du désespoir, je vais le dire comme ça. Je te le recommande, si ce que tu fais te tient totalement à cœur, allez venir demain à ce stage et assister. Et t'inscrire maintenant pour pouvoir avoir les replays. Attention, va falloir bosser. C'est pas comme si tu peux dire « oh oui, je m'inscris et un jour je fais ça ». Non, non, non. Tu as accès, je pense, du genre quelques jours, je ne sais pas combien de temps, et tu vas t'engager et mettre dans ta tête que tu vas bosser pour ton entreprise et prendre ça à cœur et prendre ça au sérieux. Parce que c'est ça le souci. C'est ça le souci. À quel point on prend ça vraiment au sérieux. Et alors, dimanche, Sigrun donne ce stage. Dans mon groupe, je t'invite à nous rejoindre et à assister à ce stage. C'est à 6h dimanche et là, tu as Sigrun sous la main. Et tu vas pouvoir lui poser toutes tes questions. Et ça, c'est une
aubaine extraordinaire. Je ne sais même pas comment je peux t'offrir moi ça. Sigrun a accepté de donner dans mon petit groupe un workshop de 1 heure. Et je me sens totalement honorée et je t'invite à en profiter. Si tu as des questions, imaginons que tu ne peux pas encore participer à ces stages qu'elle donne, mais dimanche, sois là. Dimanche, tu peux poser les questions et les réponses que tu vas avoir de Sigrun, ça, ce sont des réponses que tu n'auras pas ailleurs. Parce que c'est une femme qui sait te scanner comme ça. Elle voit à travers toi et elle comprend ce qui se passe dans ta vie. Comment elle fait? Ne me demande pas ça. Elle a vécu plein de choses elle-même. Et je pense que c'est ça qui fait sa force. Et c'est magnifique. Donc, voilà. Je t'invite à tout ça. Inscris-toi chez elle d'abord, dans mon groupe, tout de suite après, et viens dimanche aussi. Voilà. C'est devenu beaucoup plus long, ma vidéo, ce que je voulais, mais ça me tenait très à cœur de te dire tout ça. J'espère que tu m'as écouté jusqu'à la fin. Merci en tous les cas. Si tu as des questions, mets-les dans les commentaires. Je vais les lire, je vais les commenter, et si je peux t'aider, c'est avec grand plaisir. Bye bye.